Ok. Comme ça, ah. Je ne suis plus à la base, j'attends le plafond. Je vais leur servir ce qu'ils veulent, mais ils vont bouffer ce plafond. Le texte est toujours profond, car ça vient des bas-fonds. Ils vont tous me sentir de moi, ils seront au parfum. Je passe mon temps à causer les hécatombes. J'aime tout ce qui est solide, donc je suis pas là pour faire un carton. Je mâche pas mes mots, mais les MC en l'air écartant. Entre eux et moi, il n'y a pas match, mais je les bute à moins d'un carton. Seul Dieu est mon patron. Par contre, je me rends compte que la plupart des MC sont des grands cons. Et toute cette âme qui brûle à moi, je la cracherai comme un dragon. Et ce siècle de lumière est plus sombre que la caverne de Platon. À la base, sans l'écriture, les rappeurs ne riment à rien. Dans de moi, ils sont dépendants. Il n'y aura pas que les enculés qui trouveront ce texte trop pendant. Je suis simple, un cœur de leur peur, j'entends les battements. Je me bats toujours bravement. C'est pas ma dernière 4K, j'ai plusieurs jokers pour tous les Batman. Même si t'as mon mal, trouve-toi des calmants. Faut pas me comparer aux lézards, je suis un caïman. Et je prie Dieu pour qu'il vous protège de tout et carrément. Pas besoin de légitimité, je préfère appeler calmement. Carrément, je crois que je vais en faire quelques garments. Voici quelques techniques de base que les MC retournent sur les bancs. Écriture. Voilà, si j'ai fait cette vidéo. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'ai écouté beaucoup de rappeurs qui ont fait le challenge à la base, tu vois. Moi, je n'ai pas fait ce challenge. C'est pas un challenge, en fait. Moi, je n'ai pas fait le challenge. Mais je voulais montrer aux gars qu'il faut au moins savoir la base pour avoir un bon texte. Beaucoup des gars, moi, j'appelais ça challenge vacances. Pas par rapport à Ivy, mais par rapport aux rappeurs qui font les challenges. Car bon, big up un artiste, faire le challenge, c'est aussi élever l'artiste, élever le mouvement hip-hop. Célébrer le mouvement hip-hop, ça, je l'admets. Mais tu écoutes beaucoup de challenges. C'est en écoutant justement beaucoup de challenges que je me suis rendu compte que beaucoup n'ont même pas la base. Beaucoup n'ont pas la base du hip-hop. Même le B.A.B.A., les gars n'ont une personne. Bref, pas personne, je m'excuse, mais beaucoup. Quelqu'un te fait tout un texte, ne rime pas, ne sait même pas où on met la rime, ou il rime mal, oui, je sais pas trop quoi. En fait, c'est con, quoi. Les gars n'ont pas la base. Moi, je pense qu'un beat, quand même, parce qu'il faut dire aux gars, je ne suis pas venu ici pour jouer le moralisateur. Vous voyez, les gars. Moi, je suis là pour, en fait, dire aux gars que apprenez, allez vers les grands frères, et les grands frères qui rappent bien, justement. Vous voyez un peu. Ils vont vous apprendre. Par exemple, un beat à quatre battements. Un beat hip-hop, bien sûr. À quatre battements. Tac, tac. Bon, c'est pas tous les beats, tous les beats ne vont pas faire tout tac, mais je prends un truc basique puisqu'on parle de la base. Prenons par exemple tout tac. Voilà. Basiquement, quand tu apprends à rapper, on va te dire c'est au quatrième battement que tu peux poser la rime. Vous voyez, ça veut dire que si je veux faire tout tac, c'est à tac là, le quatrième battement que je pose ma rime. Ça, c'est basiquement, je parle basiquement. Voilà, c'est bien de big up l'artiste, mais je pense qu'il faut avoir quand même les préliminaires. C'est très important. Voyez un peu. Allez, demandez. C'est quoi un vers? Où est-ce qu'il faut poser la rime? Où est-ce que. Donc, c'est très important aussi. Et allez vers les grands frères, ils vont vous apprendre ça. Moi, je pense que j'ai fait ce freestyle. Ben, moi, j'appelle pas ça un challenge. J'ai fait ce freestyle sur le beat d'Ivy, justement pour montrer aux gars que beaucoup ne riment même pas. Tu vois? Beaucoup ne riment pas. Tu écoutes des challenges à la base, ils n'ont même pas la base. Donc, bah, c'est désolant. Moi j'ai l'impression que si aujourd'hui on demande aux artistes, on demande à un rappeur vient toaster, voilà, il va lever plutôt son verre ou sa bouteille d'alcool. Donc, c'est un peu ça. Il ne va pas comprendre. Parce qu'il n'y a qu'un vieux rappeur qui va comprendre le mot vient toaster. De gars, moi, je go toaster et tout et tout. C'est la base. Allez vers les grands frères, ils vont vous apprendre. C'est très important. Et big up encore au son à la base.